Hello. Comment ça va? Bonjour. Ouais, c'est Ulysse qui fait cours aujourd'hui. Il avait envie de s'y mettre. Ah, j'avais mis le téléphone. Oula, mince. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. J'ai tourné le. Hop. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Il doit être 9h là, je pense. Je sais pas trop. Coucou Olive. Coucou Sandrine. Bon, en attendant que pour laisser le temps à quelques personnes d'arriver, je vais vous raconter bon, encore ma vie. Je raconte tout le temps ma vie. Là. Je suis un peu auto-centrée. Non, c'était une expérience. Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, mais hier, ça me l'a fait encore. Je me suis vraiment aperçue que ce qu'on mange, ça a vraiment un impact fort sur notre morale, sur la façon dont on se sent. Moi, je bois jamais de bière. Pas parce que je bois pas d'alcool, mais les bières, bon, j'aime pas trop ça. Et hier soir, on m'a donné des bières. Alors, je sais pas, j'ai eu envie de boire des bières. Mais... J'ai bu deux bières et bon c'est pas deux bières qui m'ont mis comment j'étais pas pompette hein, c'est pas ça mais c'est plus qu'en fait les bières ça contient du gluten et j'ai plus du tout je mange plus du tout de gluten depuis depuis un moment et en fait ça m'a mis dans un état de putain j'étais pas bien hein, au niveau du moral ça m'a déprimé complètement et même ce matin en me réveillant c'était pas ouf quoi. Et du coup, je pense que. Enfin, c'était pas la quantité d'alcool, hein, c'est la Heineken, c'est pas ça, de la Heineken à 5 degrés. C'était vraiment, je pense, ce qu'il y a dedans, c'est la composition. Et je me suis, voilà, bref, en direct, aperçu de qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on boit, l'impact que ça a sur notre morale. Juste avant ça, j'étais belle et voilà. Et j'ai déjà raconté hein, cette. Il y a eu plein d'expériences hein, qui ont été faites sur tout ça. Ils ont. Et notamment, bon, par exemple, chez des enfants autistes, ils ont remarqué qu'en les passant à un régime sans gluten et sans produits laitiers. Oula! Merde, pardon, excusez-moi. Mon téléphone qui tombe quand il vibre. En tout cas, un régime sans gluten, je me souviens plus s'ils enlevaient les produits laitiers ou pas, mais le gluten, c'est sûr. Et quand ils passaient à un régime sans gluten, les troubles autistiques, enfin, les symptômes diminuaient de façon enfin, impressionnante. Ou encore, une j'ai bien aimé, c'était. Ils ont pris des souris donc qui mangeaient des choses. Une souris déprimée et une souris pas déprimée, entre guillemets. Et ils ont fait un échange de flore intestinale donc, entre ces deux souris, sachant que la flore intestinale elle est complètement dépendante de ce qu'on mange. Et en fait, quand ils ont échangé les deux flores intestinales, ils ont vu que les deux caractères des souris ils switchent, enfin ils s'échangeaient quoi. Pour dire voilà on est quand même vachement impacté par, voilà, par ce qu'on mange. Et que avec une alimentation physiologique, on est plus en forme, on est plus heureux, plus mieux. Voilà, c'était le petit les 5 minutes pour parler de nourriture, enfin d'alimentation. Merci Olive, ouais c'est cool, je suis dans les Hautes-Alpes. À côté, à Saint-Clément-sur-Durance, donc pas loin de Briançon. C'est cool, trop bien ici. C'est trop chouette. Bon, bah écoutez, on va commencer, hein. C'est l'heure. On va commencer ce matin par un exercice de respiration que je me suis inspirée, j'ai vu ça ce matin. C'est Tony Robbins qui fait ça dans sa routine matinale. Donc, c'est 3 séries de 10 respirations par le nez. Donc on respire la queue par le nez assez rapidement. Et en fait on va, donc il va falloir se mettre debout. Donc quand vous allez inspirer, vous levez les bras et quand vous soufflez, vous les baissez. Comme ceci. On fait 10, 3 fois 10, enfin 10, une pause, on fait 3 fois. Ok? Je me mets debout. Est-ce que c'est bon? Parce que je ne le vois pas trop avec le soleil en face. Donc vous mettez debout.
pieds nus si possible. Ok. Et on respire par le nez rapidement, vigoureusement, pour se donner de l'énergie pour le matin. 3 fois 10. Allez, c'est parti. Mais bon, comme c'est la première fois que je le fais, allez, on refait 10. Une petite pause. Et on va le refaire encore une fois. En respirant par le nez. Ok. Bon ben, en fait je l'avais jamais fait cette respiration, j'ai vu ça ce matin, mais 3 fois 10, bon c'est assez, je trouve ça assez facile, donc je vous propose de, là on va en faire 30 d'affilée, si ça vous va, 30 d'affilée pour ceux qui peuvent, hein, si vous avez la tête qui tourne ou si vous ne sentez pas, vous faites une pause. Donc on est parti pour 30, allez. Ok, super, c'est bon pour la respiration, c'est pas mal, ça donne, c'est vrai que ça donne la pêche. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Maintenant on va faire un petit exercice de centrage qu'on n'a jamais fait, mais bon c'est un peu le même principe que les autres. Donc vous restez debout, les pieds écartés largeur bassin, fermez les yeux. Et donc là vous allez visualiser... En premier, visualiser ou ressentir l'énergie de la terre qui vient nourrir votre corps en rentrant par vos plantes de pied. Vous lui donnez la couleur que vous voulez à cette énergie. Et donc vous la ressentez, vous allez visualiser rentrer dans vos pieds et petit à petit remonter le long de vos jambes, arriver dans vos cuisses. La, voilà, vous la faites parcourir tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne en lui demandant de vous nourrir, de vous donner de l'énergie. Vous la faites monter à votre rythme, comme si un peu comme sève qui monte par la racine, enfin l'eau, pas la sève, enfin bref, l'eau qui remonte, sève par la racine des arbres pour venir nourrir tout l'arbre. Faites monter cette énergie de la terre dans tout votre corps. Ensuite, vous allez visualiser l'énergie du ciel et du soleil qui pénètre dans votre corps par le sommet de votre crâne, ici au niveau du chakra couronne. Là aussi, vous visualisez cette énergie comme vous voulez, ça peut être un rayon de lumière, ça peut être une boule d'énergie, de couleur dorée, de couleur blanche, vous laissez venir ce qui vient. Et vous faites descendre ces énergies du ciel et du soleil dans votre corps, petit à petit, ça remplit votre tête, puis votre gorge, ça descend pour venir jusqu'au bout de vos doigts de pied. Demandez au ciel et au soleil de vous nourrir de son énergie, de leurs énergies. Ensuite, vous allez vous focaliser sur le bas de votre ventre. On a ici le hara. C'est vraiment en bas du ventre, au niveau pour les femmes, au niveau de l'utérus, de la vessie.
En fait, on a notre réserve d'énergie vitale. Vous allez essayer de ressentir cette énergie, cette boule d'énergie en bas de votre ventre. Si vous ne la ressentez pas, vous la visualisez. Vous pouvez imaginer sous la forme d'une boule de feu, une boule d'énergie rouge, jaune, pareil ce qu'il veut dire. Et vous la visualisez, vous la ressentez grossir. Grossir et prendre de plus en plus de place dans votre ventre. Et plus elle prend de la place, plus vous avez d'énergie. Vous êtes bon. Et vous sentez cette énergie qui vibre en vous. Vous donne l'élan pour votre journée. Et maintenant, vous allez vous focaliser sur votre poitrine, sur votre thorax, du chakra du cœur. Et là, vous allez visualiser pareil une boule d'énergie. Cette énergie, c'est l'énergie d'amour universel. Vous la visualisez ou vous la ressentez. Et pareil, vous l'imaginez prendre de plus en plus de place, pousser les limites de votre thorax et sortir de votre corps pour aller irradier sur le monde, sur les autres êtres humains, sur les autres, sur les animaux, sur la planète. Ressentez cette boule d'amour qui sort de votre poitrine, qui vous donne envie d'embrasser tout le monde, de donner de l'amour aux autres. Vous remercier. Maintenant, vous pouvez dire merci. Donc, merci aux énergies de la Terre, merci aux énergies du ciel et du soleil, merci à votre énergie vitale et merci à l'énergie d'amour universel de vous nourrir et d'être présent. Ok. Très bien. Maintenant, avant de commencer les exercices physiques proprement dit, je vais vous inviter à trouver trois choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, pour lesquelles vous avez envie de remercier l'univers, la terre, remercier qui vous voulez, pour trois choses que vous vivez ou que vous avez vécues, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ça peut être, et même c'est bien que ce soit des choses simples, parce que les petits bonheurs, enfin notre bonheur se trouve dans les choses simples. Ça peut être pour le café que vous avez pu boire ce matin, votre enfant qui vous a souri, votre conjoint qui vous a embrassé. Moi, je vais dire merci pour le bon café que j'ai pu boire ce matin, pour le froid que j'ai pris. Et pour la musique que j'ai écoutée juste avant de vous faire le live et qui m'a donné la patate. Voilà. Ça fait partie aussi de la routine de Tony Robbins que je veux vous partager ensuite. Exprimer chaque jour au moins trois choses pour lesquelles on éprouve la gratitude, ça permet de changer comment nos circuits neuronaux ou de créer de nouvelles connexions dans notre cerveau. Positive entre guillemets, et plus on va se concentrer sur le positif et plus on va attirer du positif. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vous invite à bâiller. Vous bâillez et vous laissez aller votre corps, les mouvements où il a envie d'aller, et vous pouvez même émettre des sons. Laissez votre corps
s'étirer. C'est pas vraiment s'étirer, mais bon. C'est plus, ça s'appelle pendiculer, mais on dirait qu'on s'étire. L'important, c'est compris. Donc vous allez chercher les mouvements dont votre corps avait besoin. Allez-y lentement. On fait ça pendant une bonne minute. Laissez-vous aller, vous pouvez fermer les yeux même si vous voulez, parfois c'est plus. Quand on a les yeux fermés, quand on coupe une stimulation extérieure, on est plus connecté à notre intériorité et donc on peut plus se laisser aller. Pendiculation. On va faire le dos in rapidement. Donc vous faites monter, vous faites venir les énergies dans vos mains. Vous les frottez. Vous les frottez, vous les frottez. Vous faites, vous allez sentir que la chaleur monte. Vient dans les mains. Et en premier, je vous invite à vous dépoussiérer, donc à donner à la terre les énergies, la fatigue encore présente de la nuit. Vous mettez cette intention. Et en même temps, vous soufflez. On fait ça assez rapidement, le dépoussiérage. On passe sur tout le corps. Et les cheveux aussi, vous prenez, vous glissez, vous enlevez la fatigue de la nuit de vos cheveux. Et vous la donnez à la terre, en recyclage. Ensuite, on va faire... Coucou Mélanie, coucou. Ensuite on va faire les frictions. Donc vous venez vous frotter tout le corps. On part des pieds, on remonte au niveau des jambes. On vient bien ici le long derrière les genoux où il y a les ganglions lymphatiques. On remonte au niveau des cuisses. On fait ça de façon assez vigoureuse au niveau de l'aine. Ensuite on passe derrière, sacrum. On remonte le long du dos, le long de la colonne, ensuite sur les côtés, les flancs, le ventre. Hello Yann, le ventre, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc de droite, la droite du foie vers la gauche pour aider le transit. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Ensuite, on arrive au niveau du thorax. Bien les dessous de bras où il y a les ganglions lymphatiques, les deux côtés, les bras, les mains, les épaules, votre main, votre bras, les épaules. Voilà, faut que ce soit assez tonique hein, pour se réveiller. Là, c'est le matin, on a besoin d'énergie pour toute la journée. Ensuite, on arrive au niveau ici de la gorge, la thyroïde, les oreilles. Les oreilles, le visage et les cheveux. Voilà. Vous pouvez faire comme un shampoing. Vous savez, ça fait du bien, ça stimule le cuir chevelu. Très bien. Maintenant, on va passer aux percussions. Donc la main, la paume de main, comme ceci ou point fermé. Vous venez. On part des pieds, on remonte, tenant des jambes, ensuite bien derrière ici, les recopliter les cuisses, bien derrière, devant et derrière, au niveau de l'aine, ça y est j'ai chaud, je vous laisse continuer, j'enlève mon t-shirt. Ça arrive pas.
J'en étais où? Ah oui, laine. Au niveau de laine, derrière le sacrum. Là aussi, vous pouvez y aller assez fort, hein, on remonte le long du dos, pas le long de la colonne. Ensuite, sur les côtés, bien jusqu'au rein. Ensuite, au niveau du ventre, tout le ventre. Tout le ventre, le haut du ventre, la poitrine. Pardon mon chou. Alors là je peux pas crier parce que pareil il y a du monde. J'ai des voisins quand même. Mais je vous invite si vous pouvez crier à crier. Et moi je vais juste dire ah sans crier. Ah, et vous demander à ce que toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin sortent. Ce genre d'exercice aussi où on se tape sur la poitrine, c'est très bien pour décoller les mucosités qu'on a au niveau des poumons, si vous avez un peu les poumons encombrés. Ok, on passe au bras. Vous restez debout, je me suis mis à genoux pour être plus près de la caméra, mais on tape bien les bras, les deux côtés. Ensuite on arrive au niveau. La gorge, on stimule la glande thyroïde, les oreilles, tout notre visage. Très bien pour les rides, ça, de se stimuler. Le fait de faire circuler le sang, ça aide à avoir une belle peau et moins de rides. Ok, et maintenant le crâne. Tout le crâne. Soit le bout des doigts, les poings fermés, comme vous voulez. Ok, très bien. Et maintenant, on fait des grimaces. Enfin, des grimaces. Vous allez ouvrir la bouche dans tous les sens. Faire bouger vos oreilles, faire bouger vos yeux, vos sourcils. Pour venir détendre, enfin, à la fois faire travailler et détendre tous les muscles du visage qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler comme ça. Et aussi pour venir détendre à l'intérieur du crâne des fascias. Ça tire, ça fait comme un pompage au niveau du crâne. Vous pouvez vous décrocher la mâchoire et vous pouvez faire du bruit. Des fois j'oublie que je suis devant une caméra. Vous bougez bien tout le crâne. Et peut-être que vous allez ressentir à l'intérieur de votre crâne, ça fait comme un mouvement comme ceci de pompage. Bonjour à ceux qui arrivent en cours. Bonjour. On finit le dos-in, là vous pouvez prendre en route si vous voulez. Ok, maintenant du coup on fait l'harmonisation. Donc l'harmonisation, vous sautez sur place. Attends, je vais prendre. Hop, ça fait un peu mal au pied. Hop là, vous sautez. Vous sautez sur place, donc c'est pour harmoniser, faire circuler les énergies. Qu'on a mis en mouvement. Donc à la fois vous visualisez les énergies qui se mettent en mouvement, votre sang qui circule et la lymphe aussi qui circule. Vous devez sentir que quand votre talon touche le sol, ça crée une vibration qui monte jusqu'au sommet du crâne et qui vient cette vibration, elle vient faire bouger toutes vos cellules les unes par rapport aux autres et les remettre exactement à la place qu'il faut. Et vous soufflez bien. Vous pouvez faire une jambe après l'autre. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez juste monter sur la pointe, faire une jambe. Vous laissez bien tomber. Ok. Et maintenant, on va faire l'activation. Activation-libération. Donc pour activer, on monte sur la pointe des pieds, on lève les bras. Et pour libérer, on baisse. Et quand on libère, vous mettez l'intention de libérer toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin, toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Si jamais il reste. Donc on inspire, on active. Et on souffle, on libère. On est tombé pendant.
encore trois fois. C'est bon pour l'échauffement. Donc on a fini l'échauffement, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va faire les 5 tibétains. C'est 5 exercices tirés du yoga, peut-être pour les gens qui regardent pour la première fois, et qui sont vraiment complets parce qu'ils font tout travailler. Enfin, tout le corps, toutes les articulations, tous les muscles, et ils équilibrent aussi au niveau énergétique tous les chakras, les centres d'énergie principaux du corps. Ok, donc le premier des 5 tibétains. Vous mettez debout, les bras écartés, les paumes de main vers le bas. On va faire 10 mouvements, 10 tours dans un sens, ensuite 10 tours dans l'autre. Si 10 tours c'est dur pour vous parce que vous avez la tête qui tourne, avant de vous arrêter, voilà, faut pas vous, enfin, c'est normal d'avoir la tête qui tourne, mais il ne faut pas que ça tourne trop, faut pas tomber. Donc je vous laisse gérer, et pour se rééquilibrer, si vous avez la tête qui tourne, vous mettez votre bras devant et vous fixez votre pouce. Ok ? C'est parti, on fait 10 tours dans un sens. En premier dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me prendre les pieds dans mon tapis. On rééquilibre. Pour rééquilibrer, vous mettez un pouce devant, vous fixez. Et ensuite, on repart. On fait 10 tours dans l'autre sens. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous mettez le pouce devant, vous fixez. Et ok, parfait. Ensuite, le deuxième. Pour le deuxième, il faut vous allonger au sol. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, vous pouvez vous mettre sur une table, sur votre lit. Donc on s'allonge comme ceci. On serre bien le ventre. Vous serrez le ventre, c'est-à-dire vous collez le nombril à la colonne. Vous serrez votre périnée, les mains le long du corps. Et en soufflant, vous allez ramener la jambe et le menton sur la poitrine. Vous soufflez, vous redescendez. On fait une jambe après l'autre. Ça ne doit pas faire mal au dos. Ça doit, si vous avez mal au dos, vous pliez vos deux jambes. Ok, une barre, on en fait 10 de chaque côté. Allez, c'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Il faut bien avoir le ventre serré. 4, 5. Vous pouvez mettre vos mains dessus si vous voulez. Vous ne devez pas sentir votre ventre qui sort quand vous montez la jambe. Votre ventre doit rester serré. Je sais plus où j'en suis, ça va faire 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. On fait une petite pause. Vous restez allongé 10 secondes. Vous profitez du soleil si vous êtes au soleil. Ok. Alors, le prochain des 5 tibétains, il faut se mettre à genoux avec les pieds dans cette position, recroquevillé, mais si vous ne pouvez pas, vous laissez les pieds à plat, c'est pas grave. Si vous pouvez, vous mettez comme ça. Donc là, exercice, le principe, ça va être d'inspirer en venant tout ouvrir. Vous ouvrez la cage thoracique, vous tirez les épaules en arrière, la tête en arrière, et vous soufflez, vous refermez tout. Vous refermez comme une huître, donc vous soufflez et vous ouvrez. Inspiration. On en fait 10 comme ça. Et si vous ne pouvez pas faire ce mouvement avec les cuisses, vous restez. Assis et vous faites juste le mouvement avec le dos et allez, on en fait 10. 10 et plus ou moins suivant notre capacité physique. Allez, c'est parti. 1,
pardon. Ah oui. Le prochain, on est toujours au sol. Et si, donc pareil, si vous pensez qu'il ne peut pas se mettre au sol, vous pouvez vous mettre sur une table. Sur un lit, là c'est un peu compliqué, c'est un peu mou. Donc le prochain, vous êtes assis, les jambes tendues, les pieds doivent être ramenés. Les mains au niveau des hanches. Et donc en inspirant, vous passez en position de pompe. Et quand vous soufflez, vous reposez les fesses, vous ramenez le menton et vous ramenez la pointe de pied vers vous. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement, parce que des fois ça demande quand même une certaine mobilité au niveau des épaules pour faire ce mouvement au pont. Donc si vous ne pouvez pas, déjà juste vous levez vos fesses comme ceci. Ce sera très bien pour commencer. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10 non plus, vous pouvez en faire que 5. Enfin. Ok, allez, c'est parti. On inspire. Et on souffle. 1, 2, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et j'ai oublié de préciser que quand vous soufflez et que vous ramenez comme ceci, il faut vraiment souffler à fond et serrer votre ventre, serrer les abdos. Ok, avant de faire le dernier, on va se mettre en position de cobra avant de commencer les exercices. Le cobra, c'est-à-dire que vous mettez au sol, allongé par terre. Soit vous mettez les bras tendus pour ceux qui sont souples, qui ont le dos souple, sinon vous mettez sur les coudes si jamais vous avez des douleurs de dos. Le but, c'est d'étirer le dos en extension. Pareil, chacun s'adapte à sa souplesse. Il faut juste aller à la limite de ce que vous pouvez. On reste comme ça une minute. Si vous pouvez être face au soleil, c'est encore mieux. Ça, c'est une contre-posture. Ça permet d'étirer, de compenser la position qu'on a toute la journée, qui est une position penchée vers l'avant. Donc là, on se penche vers l'arrière. On profite. Une position de repos. Dernier mouvement, ça va être d'inspirer, souffler, pardon, vous soufflez, vous passez en position chien tête en bas, et quand vous inspirez, vous revenez en position de cobra. Donc on souffle, on passe comme ceci, on inspire, on revient. Et au dixième, on restera en position chien tête en bas. Ok. Allez, c'est parti, on fait le premier, on souffle, on passe en position chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous essayez de mettre les talons au sol quand vous êtes en position chien tête en bas, mais on voit pas mes pieds, désolé. 10, on reste en position. Donc dans cette position, vous essayez de pousser les fesses vers l'arrière. Vous les poussez, vraiment vous poussez, vous voyez, votre dos et vos fesses vers l'arrière pour essayer de mettre les talons au sol, pour que ça tire dans les mains. Ceux qui le font régulièrement, vous devez peut-être sentir que c'est plus facile maintenant de les talons se rapprochent du sol. En tout cas, moi c'est le cas. Plaisir d'ailleurs de voir que en faisant les exercices on s'améliore.
Ça fait plaisir. Vous allez rapprocher maintenant vos mains de vos pieds, ou les pieds des mains, c'est pareil. Et on va être en position jambes tendues, les mains au sol, la tête relâchée, et vous restez comme ça un petit peu. Là, ça doit tirer dans les mollets, les mains en position chaque fois bas, dans l'arrière des cuisses, et vous pouvez sentir aussi au niveau du dos, c'est possible. Ça, ça dépend de la souplesse de chacun. Vous relâchez bien. Vous resserrez les pieds pour avoir vraiment les pieds collés. Et là, je vous invite à faire un petit mouvement. Une jambe qui se plie, l'autre qui se tend. Pour étirer un peu plus une jambe, étirer un peu plus l'autre. Vous pouvez mettre les mains au niveau de vos chevilles, de vos genoux sont à souplesse. Vous tenez. Et en même temps, vous faites des petits mouvements. Une, vous l'emmenez vraiment en extension, l'autre, vous la pliez un peu. Voilà, ne forcez pas, vous respirez bien. Et là, vous allez écarter vos deux jambes et passer en position de squat asiatique. Donc, position de squat asiatique, si vous n'arrivez pas à mettre les talons au sol, normalement on doit avoir le pied à plat, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider, mettre vos mains en arrière ou mettre vos mains en avant. En attendant, je regarde juste si ça va. Bonjour, je regarde juste sinon s'il n'y a pas de questions. Coucou Nancyra. Ça a l'air vraiment, ça a l'air d'aller. Ok, donc en position de squat asiatique, on reste un petit peu. On reste un peu dans cette position. Hop là. C'est un super exercice d'étirement cheville, genou, hanche, ce qu'on appelle en triple flexion. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec cette position, je vais vous inviter donc à mettre vos mains comme ceci, en ce qu'on appelle en Little Buddha, et vous allez venir écarter. Vous allez venir donc écarter les jambes en faisant cette position, en poussant vos genoux. Donc, comme ceci, et vous poussez, vous écartez les genoux et vous relâchez. Comme ça permet de travailler l'ouverture des hanches. Voilà. Et pour ceux qui c'est déjà difficile, vous pouvez juste vous garder la position basique de squat. Ok ? Donc, comme ceci, on écarte et on relâche. Ne vous forcez pas non plus, hein. On en fait une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Ok, on relâche, on reste comme ça, dans cette position. Un petit peu. Vous pouvez aussi bouger un petit peu votre bassin de droite à gauche pour venir débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Ok, est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure s'il vous plaît? Je pense que ça va être l'heure, je ne vais pas faire une... Va faire une grosse séance aujourd'hui. On va faire quelques abdominaux. Quelques abdos. Est-ce qu'on voit bien mon ventre là? Ouais, ça devrait aller. On fait quelques abdos hypopressifs. Donc pour ça. Merci. Merci Nancyra. Merci. Alors, pour faire les abdos. Bon, il y en a qui commencent à connaître, mais je réexplique pour ceux qui font encore la première fois. On inspire. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, votre ventre se gonfle à l'inspiration.
vous soufflez, il rentre. Collez le nombril à la colonne, vous devez sentir que le bas de votre ventre il devient dur, qu'il s'aplatit, votre périnée aussi vous serrez. Et quand vous avez bien serré, que ça brûle, vous bloquez votre respiration, vous pouvez même boucher votre nez et là vous aspirez le ventre sur les côtes. Vous restez le plus longtemps possible en apnée. Voilà. Et vous devez vraiment sentir l'aspiration, votre ventre qui est tiré vers le haut. Pour ceux peut-être qui regardent pour la première fois, si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est pas grave. C'est normal, c'est pas facile comme exercice. Et vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui, si vous tapez abdominaux hypopressifs, des vidéos courtes qui expliquent vraiment, enfin vous pouvez regarder pour vous entraîner. Voilà, si vous voulez suivre plus facilement les lives les prochaines fois. Ok, donc on y va, je prends un peu 5 à peu près. On inspire. Soufflez, serrez le ventre. Le plus fort possible. Bloquer la respiration et aspirer surtout sans prendre d'air, hein, sinon ça marche pas. Ok, on inspire. Soufflez, serrez le ventre. Serrez très fort, très fort, très fort. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. On inspire, soufflez. Serrez votre ventre. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Alors, on en fait encore deux, à inspirer, le ventre se gonfle, soufflez, vous serrez le ventre. Ça doit brûler, le bas de votre ventre et le périnée, ça doit brûler. Vous bloquez la respiration et vous aspirez votre ventre sous les côtes. Allez, le dernier, on inspire, soufflez, serrez bien le bas du ventre, le périnée aussi, vous bloquez la respiration et on aspire. Ok, c'est bon pour les abdos. Donc ça, c'est vraiment un super exercice. Normalement, on se sent plus léger après. Et peut-être aussi pour ceux qui le font depuis un moment, vous devez sentir votre ventre qui est plus tonique, un meilleur transit, plus plat. Enfin, vraiment, il n'y a que des avantages. Vous ne pouvez pas mal faire cet exercice parce que contrairement à beaucoup d'abdominaux qui sont proposés, qui peuvent faire mal au dos et mettre beaucoup de pression sur le périnée et donc provoquer soit des descentes d'organes. En tout cas, abîmer le périnée, celui-là, il est vraiment sans. Enfin, il n'y a que des bénéfices. Quoi. Sauf si on est enceinte, on ne fait pas, et si on a de l'hypertension. Voilà. On va faire un dernier petit exercice, ensuite méditation, on arrête. Un exercice, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, vous savez, je vais y arriver. De coordination. C'est pas bien connecté là ce matin, moi. Donc, coordination. Donc, les mains au niveau des épaules. Vous tendez, soit vous ouvrez une main, l'autre ça reste un point et on change, comme ceci. Si c'est trop facile, vous pouvez faire point fermé et le doigt, comme ceci, c'est plus dur. Bah, vous trouvez la difficulté qui vous va. Moi je vais refaire le premier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais refaire le premier, peut-être que je passerai au deuxième. En plus quand on part en même temps, c'est... C'est pas simple. Donc ça permet vraiment de connecter les deux hémisphères cérébraux. Et si on a des hémisphères cérébraux qui sont
mieux connecté, ben forcément, on réfléchit mieux. Hein. Ça paraît logique. Merci Sandrine, à plus. Retourne au travail. Bah ben ouais, c'est déjà bien d'avoir. Tu veux peut-être dire Mélanie pour les abdos, pas pour les ados. Non, j'aurais été ouf, je me suis trompée. Voilà, et justement, d'ailleurs, de parler en même temps, ça peut être aussi un moyen, plutôt que de changer la position des mains, vous pouvez garder la même position, mais essayer de parler en même temps ou de chanter. Et vous allez voir que du coup, ça met un peu plus de difficulté de faire ça. Allez, je vais essayer de faire l'autre sans parler. Donc. Ok, très bien. Bon, pour ceux qui font de la musique, ça doit être plus facile ce genre d'exercice. Quand on fait travail, on a l'habitude de faire travailler nos deux mains d'une façon différente. C'est plus facile. Ok, bah écoutez, on va terminer. Bon, on va faire une petite méditation et du coup, je vais me pousser pour cette méditation. Je vais vous laisser admirer. Je pense que vous voyez le courant de l'eau. Donc c'est parfait, c'est en direct. Je vais vous laisser admirer, vous m'entendez de toute façon je pense, donc ça suffit. Donc pour terminer, on va faire une petite méditation. Vous allez du coup vous asseoir dans une position confortable. Respirez calmement par le nez. Et vous allez regarder l'eau. Coule devant vous ce courant et vous vous imaginez que c'est ce courant d'eau, c'est votre courant de pensée, c'est vos pensées qui traversent votre esprit, c'est-à-dire que vos pensées elles le traversent mais que vous ne vous y accrochez pas, vous les laissez passer, vous les regardez passer comme cette eau à chaque instant. L'endroit que vous regardez, c'est une eau différente et vous ne suivez pas la même goutte d'eau. Ben là, c'est. Et en même temps que vous regardez cette eau qui coule, ce torrent magnifique, c'est la Durance. Vous imaginez que cette eau. Elle vous nettoie aussi d'un point de vue physique, si vous voulez, mais surtout d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue énergétique. Essayez d'imaginer que vous êtes carrément dans l'eau, au milieu du torrent, au milieu de la rivière, et que vous vous faites nettoyer par cette eau. Et que du coup, avec son courant, cette eau emporte avec elle les pensées dont vous n'avez plus besoin, les pensées lourdes, négatives. Elle emporte les émotions qui vous affaiblissent, qui vous polluent. Elle emporte les toxines physiques. Elle emporte les énergies basses, les énergies qui ne vous appartiennent pas, qui vous fatiguent. Et si votre esprit il est appelé, il s'arrête sur des pensées, pardon. Vous leur dites gentiment mais fermement que c'est pas le moment. Pour l'instant, vous faites une méditation et que vous y reviendrez plus tard, dans quelques minutes, si vous avez besoin d'y penser. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette eau qui nous nettoie. De tout ce dont on n'a plus besoin. Et en plus de cette eau qui nous nettoie, il y a aussi le soleil qui nous régénère. Même si chez vous il fait pas beau, bah ici il fait beau. Et vous êtes connecté à cet endroit d'une certaine façon, puisque vous regardez, on se parle et puis vous regardez l'image. Et donc le soleil va vous nettoyer en même temps, vous régénérer.
en même temps que l'eau qui coule vous nettoie. Et maintenant, vous allez regarder le sommet de la montagne là, que vous voyez en face de vous. Et vous allez vous imaginer au sommet de cette montagne. Vous pouvez imaginer la vue qu'il y a depuis cette montagne. Ben, on imagine le torrent que vous voyez depuis le haut. Le petit village aussi, Ulysse. Et de vous passer comme ça en hauteur. D'un point de vue physique, ça vous permet de vous placer aussi en hauteur par rapport à certaines situations peut-être qui vous posent des soucis entre guillemets, qui vous dérangent. Ça vous permet de prendre du recul et peut-être d'avoir des solutions qui vont vous arriver comme ça d'un coup, juste par le fait de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Puisqu'en fait, dans toute situation, il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités suivant l'endroit d'où se place. Et par exemple, si vous avez un conflit avec quelqu'un, de prendre de la hauteur, ça peut vous permettre de vous placer à la place de cette personne justement et de comprendre son point de vue et de comprendre que cette personne peut-être ne vous en veut pas ou n'est pas contre vous, c'est juste qu'elle a un point de vue qui est différent du vôtre. Et pourquoi elle a un point de vue différent? Parce qu'elle a un passé différent, elle a eu des expériences différentes, elle a des blessures différentes du vôtre. Donc si vous avez l'occasion parfois de prendre de la hauteur, ça permet vraiment de prendre de la hauteur sur vos situations. Et on n'est pas obligé d'être en montagne pour ça, il suffit des fois autour de chez nous il y a des collines, ou alors de monter dans un bâtiment qui est haut et de regarder la ville depuis le haut, de monter dans un arbre, pourquoi pas. Et maintenant je vais vous imaginer revenir au niveau de la plage. En volant, vous allez vous envoler depuis le sommet de cette montagne. Et là, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide et vous imaginez voler libre, complètement libre, léger, débarrassé de tout ce dont, de toutes vos peurs, de toutes vos croyances limitantes. Tout est possible et vous volez et vous venez vous poser sur la plage, vous me rejoindre. Et rejoindre Ulysse et Poussinette. Et quand vous êtes arrivé sur la plage, vous pouvez remercier, dire merci à l'univers, à qui vous voulez, à vous-même, hein, si pour vous être accordé ce moment, en tout cas remercier pour cette méditation que vous avez faite et pour cette séance aussi que vous avez pu faire et qui vous a fait du bien, je l'espère, mais je pense que ça doit faire du bien. En tout cas, si on l'adapte à sa condition physique, je pense que ça peut faire que du bien. Voilà, voilà. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. Comme d'habitude, je n'ai pas réussi à faire que 30 minutes. Bon, le temps n'existe pas, il paraît. Bon. Voilà. Je veux bien que vous me disiez. Bon, enfin, si vous avez des réflexions sur la séance ou envie de partager certaines choses. Et aussi pour la méditation, je veux bien que vous me disiez si vous avez bien réussi à ressentir, à bien regarder l'eau qui coule sans vous arrêter sur vos pensées, à vous sentir nettoyé, à prendre de la hauteur, tout ça. C'est la première fois que je la fais, cette méditation. Je veux bien, c'est important d'avoir des retours pour pouvoir s'améliorer. Merci Nancyra. Je suis contente que tu l'aies fait, c'est cool. Merci Sol, merci Marie-Ange, merci Philippe. Merci Claude, bonne journée. Et ce genre de... Donc là, la méditation que je vous ai faite,
quand dans la journée, il y a des moments où vous vous sentez stressé, où vous sentez justement que vous avez besoin d'être nettoyé d'une certaine façon, ou de prendre de la hauteur, vous pouvez vous réimaginer devant ce torrent ou en haut d'une montagne, enfin, vous replacer dans ces situations qui font du bien. Ça aide à passer à passer la situation le mieux possible. Bonne journée à tous. Moi, je vais aller acheter mes fruits et mes légumes. Il y a un petit fruit et légumes, vous savez, en bord de route là, de l'autre côté de la rivière. Je vais y aller, ça va faire une petite balade à Ulysse en plus, je vais être content. Ah ouais, moi aussi je continuerai bien à voler, hein. Voilà, c'est du bien de voler. Bon ben merci à tous d'avoir suivi. C'est je vous dis à jeudi matin si tout va bien, si ça capte, si voilà, normalement. Si vous avez des questions, plus tard vous pouvez m'envoyer des messages privés. Allez, une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.